Le charpentard l'a condamné. Toutes les personnes que celui-ci a percutées. À qui en vouloir, à qui porter plainte sans avoir pu y assister. La rage de nos cœurs nous pousse à exploser. Porter plainte ne fait qu'agrandir nos souffrances sans les soulager. On aimerait alors se pendre ou pendre celui-ci qui a confronté nos vies, celles de nos proches à cette terrible réalité. Quand on sait que la plupart de ces accidents surviennent en première cause par l'alcool et ses dérivés, mis également légalement en libre service sans souci, n'est-ce pas un délit ou une triste réalité que de provoquer le destin de toutes ces vies sans être condamné. On a alors le sentiment de se battre face à un géant impossible à faire tomber, pire que David contre Goliath. Le temps ne fait que nous assassiner. Bonjour madame, vous êtes bien la mère de Frédéric Rollin Jacquet? Voilà madame, votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et il a perdu la vie madame. Ça va vous demander beaucoup de courage madame, mais je vais vous demander de venir nous accompagner. La mort subite, nous pique, implique de réelles séquelles impossibles à cautionner. Aussi bien pour les proches que pour les rescapés qui ne cessent sans vouloir de ne pas comprendre et de culpabiliser. Pourquoi ça? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et comment cela a-t-il pu arriver? À qui en vouloir? Est-ce que d'avoir eu un sale aurait-il pu changer cette triste destinée? La tolérance zéro pourrait-elle tout arranger? Ou est-ce des facteurs incontrôlés, incontrôlables, que personne ne pourra éviter? Ce choc frontal restera notre pire démon, notre pire réalité. Seule la conscience des gens peut, elle, être touchée pour avoir des chances que ces drames puissent se stopper, ne puissent plus arriver. Alors à nous tous d'y réfléchir et surtout d'y penser. Après. On se retrouve là-bas, ça nous a marqué. Est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main. Vous étiez combien dans le véhicule? Message du véhicule de premier secours numéro 4. Accident de la circulation confirmé. Deux véhicules de tourisme en collision à force cinétique. Nous demandons ambulance de réanimation du SAMU. Une personne inconsciente. Une personne. Je vais tout le mettre dans l'ambulance. Véhicule fortement endommagé, je pense qu'il va falloir un moyen de désincarcération à ce niveau-là. J'ai une personne a priori Delta Charlie Delta. On a une personne à état de mort apparente qui est sur le sol. Avec perte de substance crânienne importante. Julien, c'est un garçon qui a plein de dessins sur les bras. Allez, on le sort, là, on y va. Il faut le sortir, il est en arrêt, là.